Merci, docteur Devila, qui invite nous dans le débat sur la question constitutionnelle. Pour ce que je dis et que je dis en dedans, c'est que nous pas fait partie, intervention n'a pas fait partie de campagne et nous avons dit un petit peu démagogique que le président Jovenel a fait sous question constitution pour changer. Non, il n'y a pas dans ça. Nous-mêmes, sommes conférence universitaire, côté que nous avons abordé question constitution dans le sens de qui ça qui a changé la donne, qui ça qui a droit à changer. Mais cependant, question pour faire changement, il doit respecter règles constitutionnelles ou bien si un accord national que tout le monde d'accord pour que y ait moyen constitution. Donc, c'est dans ce sens ça que je devais intervenir d'abord. La deuxième chose, c'est que, j'aimerais te dire, la question constitutionnelle, pour nous, la constitution est divisée en trois parties. En première partie qui parlait des droits et libertés fondamentales, ça n'a pas besoin de rien. En deuxième partie qui parlait de régime politique, là, c'est le partage des pouvoirs entre le partage entre les trois pouvoirs, l'équilibre des pouvoirs. Et troisième partie qui parlait de institutions indépendantes et de sécurité. Donc, moi, je pense que ces deuxième partie, c'est là pour nous garder le régime politique. Et là, il faut nous garder un régime politique qui est approprié, un régime politique côté que. Ce n'est pas simplement l'équilibre entre les trois pouvoirs, mais les institutions indépendantes qui vont aller jouer, la lutte contre la corruption et les questions économiques et sociales. Moi, je pense que c'est ça qui est important et c'est peut-être ça. Moi, je pense que la Constitution 87, là, qui a des acquis sur les droits, les libertés individuelles, les institutions indépendantes, comme la Cour des comptes, comme le Conseil électoral permanent, comme le Conseil constitutionnel, comme l'Office de la protection du citoyen, c'est des institutions où ils ont parce que ils permettent que bon contrôle qui fait et ils permettent un certain équilibre. Donc voilà en gros point que moins développé pour étudier. Et maintenant nous sommes à la phase des questions côté que il a essayé de comprendre l'exposé et nous sommes accompagnés de sénateur Patrice Zoumou. On a les diapositives, sénateur, regardez où est président Lima, les diapositives comme qui fait droit ou même qui fait droit, comment on va poser réforme constitution de la Palia, un aspect droit et puis aspect politique là tout. Non, l'aspect droit, la réforme, écoutez, le président doit utiliser le 9 septembre de l'année dernière pour te lancer amendement constitutionnel pas faire. Je dis à livre les faire pour contrôler la Palia, le disait le peuple là, c'est une forme d'anarchie. Le peuple c'est pas le président. Le peuple, eh bien, c'est l'ensemble de la société et ça fait de dire qu'il faut avoir un accord global qui te permettre de moyen constitution. C'est à partir de là que je pense que Jean-Président parlé là ou pas qu'un moyen constitution comme ça. C'est à faire un accord global. Ok, quand il y a le président lui-même, il dit qu'il va parler de la transition, non? Je nous même une proposition, il a demandé ça. Et puis on a appuyé ça, il dit qu'il y a temps, je suis à parler avec quelques membres de l'opposition. Pas plus tard que matin, et sénateur Boucler. Mon secteur démocratique a avoué de confirmer que lui, il est entré en contact avec le président de la République. Sénateur Beaublanc dit ça? Oui. Bon, je ne vais pas attendre ça, mais je dis deux bagages. Premièrement, la fin du mandat du président, c'est le 7 février 2021. Ce n'est pas moi-même qui dis non. C'est Palais à qui fait, c'est Constitution qui dit. Palais a dit que moi-même, comme sénateur, qui est élu pour 6 ans, mais lui en 2016, madame Daphine en 2022, il dit que. Madame finit en 2020 parce que avant de venir, madame de commencer depuis 2014. C'est eux qui évoquent madame. Donc c'est eux qui viennent avec théorie, c'est la primauté du temps constitutionnel sur le temps électoral. Temps électoral, oui, c'est 2016 à 2022. Ils disent que temps constitutionnel, c'est 2014 à 2020. Donc je dis à président qui lui-même, eh bien, article 54 là, beaucoup plus clair toujours, qui dit que. Mandat président a commencé à courir à partir de l'année de l'élection qui était 2016. Donc, je dis à mandat à la fin 2021. Donc, puisque Palais a été d'accord, je dis à pour exercer le sénateur, bah ouais, que Palais a fait pas en arrière pour que lui-même y aller le 7 février. Donc, dans ce sens-là, moi je pense que pendant du 7 février 2021, nous sommes à la fin d'octobre, donc novembre, décembre, janvier. Donc le président reste sur moi. Vous avez été proche pour vous dernièrement, vous mettez la carte de sécurité généralisée? Non, c'est une, ça a été une exécution, un crime d'État. D'ailleurs, après que DCPJ vini, une fois, il va même être avec moi, il y a un rendez-vous, le lendemain, vini, bah ouais, et puis il va jamais venir encore. Donc c'est un crime d'État avalisé par la police. Vous avez preuve de ça? C'est une preuve? Je dois dire. C'est une exécution puisque c'est 25 cartouches que vous avez. Deuxièmement, pas un crime qui vous fait où la police, pas enquêté, a dit ça l'a fait. Il n'y a pas même une enquête.
ça va une enquête, mes amis. Sénateur Latortue, puisque le président lui-même est à fond dans la question du changement électoral et de la constitution, et surtout il est à fond sur la question qui est le mandat à la fin de 2022. Maintenant, est-ce qu'elle va jouer un rapport de force entre l'opposition et le pouvoir pour faire respecter 2021? Est-ce qu'elle va jouer un rapport de force entre l'opposition et le pouvoir pour faire respecter la constitution? Donc, le pouvoir va changer. L'homme d'aller, 13 janvier 2020, c'est le président qui a dit, madame Finet, selon quelle théorie? Suivant théorie que le temps constitutionnel prime sur le temps électoral. Mais que madame t'a commencé en 2014. Hein? Non, mais, à moins que, écoutez, je veux dire, au moins un minimum de sens. Si vous t'avez dit que c'est le temps constitutionnel là qui prime, ou pas que je veux dire, pas appliquer le bout. Donc, ce n'est pas même un rapport de force. Si le président pensait que c'était le temps électoral qui était primé, il n'a pas fait ça. Donc, je veux dire, c'est parce que. Hein? Toutefois, pas choisi d'appliquer ça. Théorie, on va appliquer pour. Non, mais écoutez, le peuple, seul le peuple est souverain. Seul le peuple. La souveraineté réside dans l'universalité des citoyens. Le peuple abdomen, c'est vous, peuple abdomen. Ligue pour le réveiller. Si on va parler là, dans la transition. Non, mais écoute, le président n'a jamais fait d'élection. Le président arrive en côté que il n'a pas qu'à diriger le pays, il n'a pas qu'à administrer. Le président arrive en côté que leadership, pour qu'il soit arrivé avec un accord, il n'est pas capable. Donc, à partir de ce moment, il ne reste qu'une seule voie. C'est la transition pour que nous puissions réaliser une dernière transition pour des élections, des procès, et en bonne et due forme, et également que nous traversions notre nouvelle République par une nouvelle constitution. Pour nous finir, sénateur, votre mot pour un sénateur pour Annick François. Sénateur Annick François Joseph, c'est un ancien prêtre que je connais très bien, qui était au niveau de la Timonite. C'est un grand professeur d'université, un homme de grande culture, que moi j'ai vu qu'il a enseigné non seulement les classes terminales, mais à l'université. Donc, dans l'université, à la faculté de médecine, là où je suis enseigné, professeur de sociologie. Nous regrettons en pile que ça arrivait, puisque l'été, voir ça a été important pour l'Antibonite. Bon, il a été victime d'une crise cardiaque au Canada. Nous présenter condoléances non, à toute famille et nous dit paix à son âme. Cependant, nous croyons que voir ça était important pour l'Antibonite dans le Sénat, était important dans le département et la Tibonite, justement, pas oublier, puisque nous pensons que à plusieurs moments de la durée, il était servi comme exemple à des jeunes, soit dans les écoles, soit dans les universités, soit dans les mouvements des jeunes. Yo et membres association sous projet de nouveau constitution que c'est monde qui animé de bonnes intentions que ces gens président lui-même livre fait en désordre là mais qui ça qui gagne la nouvelle constitution et nouveau régime et qui enjeu qui gagne la dernière qui perspective. Bon, et premier bagage là, c'est que c'est la constitution qui fait régime. Donc, c'est ça à nous relayer. Et régime là, c'est un corollaire de constitution. Quand nous, dans le régime, nous y a des gens qui trouvaient que les trois problèmes là pour un premier ministre joignent adhésion, vote favorable dans le Parlement. Donc, il faudrait que tu aies gagné un régime présidentiel côté c'est le président qui fait campagne. Donc, il y a un vice-président. À ce moment-là, nous avons gagné un régime présidentiel. Pas avons gagné un problème de monter des cendres, que tu n'as pas voté, tu n'as pas le canet. Gagné un point de vue. Ça, c'est une question de perspective. Qui gens ou est question? Par exemple, où tu penser que si on moun, et si c'est le président directement qui est concerné, il est trop vulnérable, il vaut mieux que gagner et souffler un coussin que le Premier ministre a représenté avant pour arriver sous président, ça capable de nous stabilité. Mais je trouve que malheureusement, Jean Nouyé, hein, avec le Premier ministre et président, ça ne va pas nous. Ça va nous malheureusement stabilité que nous voulions, puisque nous connaissons que pendant le temps ça, de 1986 à aujourd'hui, de 1987 à aujourd'hui, hein, et coup d'État fait, président lui-même, président Jovenel Moïse, fait coup d'État lui-même contre un régime que lycée chef lui actuellement.
Donc, qu'on y a, faut qu'on regarde pour qui ça, pour changer la constitution. Parce que quel monde qui besoin de la constitution à changer, parce que y a besoin de pouvoir indéfini. Par exemple, quelqu'un qui voulait, y a connu que y a le candidat à la présidence, y a besoin capable et président successif, deux mandats successifs, tel que j'en lié aux États-Unis. Parce que y a croit que faut faire plus de temps au pouvoir. Et ensuite, y a besoin de gagner et pouvoir présidentiel là, et dans le régime présidentiel là, parce que yo pas voulu tout le temps pour yo une discussion avec la chambre, faut la chambre pas gagner tout le pouvoir ça. Mais c'est un travail qui fait dans le règlement intérieur yo, et moi commencer à travailler sur ça, dans le règlement intérieur chambre yo, et Sénat et Parlement, et Chambre des députés, pour que un député avec un sénateur pas capable faire ça le pito. Par exemple, pas jamais présenté dans la séance. Par exemple, mandé cob pour capable by vote. C'est des bagages qui sont transparents. Et c'est peut-être ça, moi-même, que ça n'est pas capable d'aller dans une constitution, mais lui est capable de rentrer dans le meilleur politique parce que société civile, ça veut dire nous-mêmes journalistes, ça veut dire que les gens qui font partie de l'association, les professionnels, médecins, ingénieurs, il faut que nous demandions aux gens qui sont dans l'État compte. Et il faut que la transparence, il faut que nous connaissions comment le pays a marché. Et si à partir de ce moment, quel que soit par ailleurs le régime que nous gagnons, depuis ce n'est pas un régime dictatorial ou bien affaire roi, mais quel que soit le régime que nous gagnons, que les et tant que anglais yo côté anglais yo nous connaît que c'est moun qui élu c'est député qui ministre sous pas élu devant peuple là ou pas comme ministre donc premier ministre li à la fois nan exécutif là et nan législatif là est-ce que c'est modèle français a qu'on joint de la plupart des pays européens ou bien n'a inventé un système mais ce qui est certain c'est que c'est pas constitution qui fait qu'il fait dans la rue là. Constitution, c'est que le thé bon, que le pas de bon. C'est pas ça qui fait que là où il y a sale jalia. C'est pas ça qui fait haïtien pas de travail. C'est pas ça qui fait gagner un paquet de volets en dans l'État. C'est pas ça qui fait Petro-Caribé. C'est pas ça qui fait Dermalogue. Donc, il faut que nous fassions la part des choses pour nous connaître que le pays a un problème de conscience, un problème de civisme et gagner un problème de savoir-faire tout. Parce que ça crive, nous pas arriver. Définir priorité à partir de qui ça nous pourra le faire pour payer à marcher mieux. Moi-même, je pense que c'est à partir de l'école. À partir de l'école, et pour nous gagner, donc manger pour petit monde manger et puis bon éducation, et manger, c'est l'agriculture là que nous fait marcher. C'est l'environnement que nous avons traité. Et c'est le transport urbain que nous sommes obligés de traiter. Parce que nous ne pouvons pas laguer les gens, nous avons la boue à marcher avec sac noir comme botte. Et ensuite, il faut que nous réglions le problème de production. Il faut nous protéger la production, la production stratégique. Qui est la production stratégique? C'est nous manger pain, nous manger donc farine, nous manger du riz en pile. Nous ne sommes pas capables de faire du riz la Tibonite. N'a fait du riz dans Grand'Anse, n'a fait du riz dans Sud, et puis n'a fait du riz dans Nord-Tout. Et puis, nous-mêmes encore, n'a concurrencé du riz noir, nous-mêmes encore, n'a concurrencé les avocats noirs, nous-mêmes encore, n'a concurrencé les oignons noirs. Il faut que nous réglions la question ça avec les Dominicains, il faut que nous réglions la question ça avec les Américains, il faut que nous réglions la question ça. Non au niveau de grand monde, c'est pas petit monde qui a joué dans la terre, c'est pas fanfaronnade que la terre. Si vous comprenez le sénateur, sur ce dia-là, les réformes ici n'ont pas le moment de la prière ou même pas tant de paramètres ça. Oui, absolument. Mais c'est ça, président parlé, son projet morné. Son projet morné. Oui, son folie. Il était gagné pour le faire le 9 septembre. Il était gagné pour le faire le 9 septembre. Il n'a pas fait et puis il déclarait que. Il déclarait que le besoin de faire constitution, il n'a pas de droit ça. Il n'est pas capable de faire constitution pour tête. Il n'a pas de droit faire référendum. Avec qui ça doit le faire là? C'est même gens. Faut les dictateurs. On va combattre comme sénateur, comme parlementaire, on va combattre. J'aime toujours faire là. Comme faire le reste. Et, le faible reste. Et moi, j'en m'appelle là.
parce que c'est vrai que il arrive un gros coup. Moi invité nous à lire un livre Karl Marx a écrit qui relait le 18 mai de Louis-Napoléon Bonaparte. Son coup d'état directement que le fait sous régime politique là et moins mandé population haïtienne et les forces vives de la nation, ça veut dire les forces vives là me dit les professionnels et journalistes yo me sont cité tout à l'heure parti politique yo pour yo gagner en claire conscience de problème là nous capable résoudre problème politique journal Moïse mettez nous pas forcément Jean nous plaide faire depuis un bon moment. Faut toujours continuer mettre dossier sérieux devant là. Et devant la nation, devant étranger à tout. Par exemple, nous capables de joindre nos façons pour nous présenter une mémoire. Ça veut dire qu'un texte qui montrait que en dehors de la Constitution et que donc faut nous gagner un traitement d'exception tout. Li mette pays à nos situations d'exception, eh bien, sénateur que m'y ayant, faut me connaître nos situations d'exception, faut me comportement d'exception tout. Okay, nous pas dit tout. Okay. Merci un peu, monsieur.